On passe de l'ère du tableau vert traditionnel à l'ère du TBI, un concours pour vous, les enseignants. Rendez-vous sur la page d'accueil du portail des enseignants, fenêtre Lien Express, du 9 mai au 27 mai. Vous avez la possibilité de répondre à une question. Expliquez-nous à travers un projet pédagogique en quoi le TBI change ou a changé votre enseignement. Un jury déterminera deux gagnants et un iPad sera offert à chacun d'eux. Merci pour votre participation. Monsieur Joubert, vous nous avez fait une belle démonstration avec le TBI. Vous l'utilisez depuis combien d'années? Environ 3 ans. Le tableau est rendu de plus en plus visuel. Et avec le choix de couleurs, le choix d'images, le choix d'outils aussi pédagogiques, que ce soit le rapporteur d'angle, il est plus facile, il est plus rapide aussi de déterminer qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Il faut aussi de la rapidité de revenir sur des énoncés déjà dits dans la journée. Et on peut facilement garder toutes nos notes de cours, aller faire référence sur Internet, aller jouer aussi dans d'autres modules qui sont nécessairement complexes, mais qui sont préalables à certains modules, surtout en lecture de plein et en dessin. Donc, ça a une infinité là, de ressources. L'utilisation du tableau nous amène à changer beaucoup de formats, de couleurs, d'images, et sans répit nécessairement, parce que l'enseignant, l'ancienne technologie qui était le tableau et la craie, ben il y avait une longue pause. Donc, là, ils sont constamment collectés, donc l'élève doit nécessairement plus se concentrer. Il reste assis plus longtemps devant le tableau parce que c'est. Et il comprend mieux.